Eh hey mec, t'entends ça? Relax, ils sont super loin. Ouais mais je suis en conditionnel, je me casse. Mauviette. Eh hey, tiens, il faut absolument que tu viennes mec. Il y aura les meilleurs et je te présenterai à mon pote Travis. Il a plusieurs caisses à refourguer mec, je te jure. Ce sera l'occasion de passer à une autre catégorie. Eh hey, moi c'est Spike, on se voit là-bas, d'accord? De trouver sur Bla. Écoute, c'est la folie ce soir, je te jure, il y a du beau monde à Ventura Bay. Alors, viens vite, mais fais attention. L'endroit est pas facile à trouver, si tu vois ce que je veux dire. Viens, je t'envoie le lien, tu regarderas ta carte, ok? À toutes. T'es venu. Eh, pas mal le petit style. Il y a du beau monde ce soir. Viens, je vais te présenter ma bande. Allez, viens. Ah, hey. Regardez qui voilà. Tu me présentes pas? Eh, hey, ce mec vient de drifter sur 150 mètres sur une bretelle de l'I5 à hauteur de Turner. C'était malade. Oh, il en a laissé de la gomme, crois-moi. Ça devait envoyer. La dernière fois que Spike était autant à fond, c'était... Ah ben non, il est toujours comme ça. C'est pour ça que tu m'aimes. Robin, essaie d'être à la hauteur. T'en fais pas pour lui, c'est un bon. Et justement, je l'emmène voir Travis. Je vais lui demander de bouger quelques caisses pour qu'on puisse bosser. Allez, suis-moi. Salut, Amy. Voici Amy. Mignonne, non? Ouais, moi aussi, je t'aime. Travis? Yo! J'ai quelqu'un à te présenter. Ah ouais? Et pourquoi? Oh mec, il faut que tu le vois à l'œuvre. Il a un super coup de volant. Bon. T'as l'air d'avoir tapé dans l'œil de Mister Rodeo. Carrément. C'est un bon, crois-moi. Tu te pointes au bon moment, toi. Y'a de super pilotes en ville qui ont envie de marquer l'histoire. T'as un sacré bol, mon vieux. Les étoiles sont alignées. C'est le moment idéal pour démarrer un projet. Alors si t'as réellement quelque chose dans le ventre, comme il dit, je te conseille de leur montrer ce que tu vaux. Mets la misère à un de ces guignols. Peut-être que quelqu'un te remarquera, qui sait.
Yo! Bienvenue dans le clan, vieux. Tiens. Très bien, elle est mortelle, hein. Allez, Amy, viens juste l'écouter deux minutes. Et dis-moi si elle ronronne normalement. Oh. Salut, mec. S'il te plaît, je l'ai garé juste devant. Allez, s'il te plaît. Spike, tu sais, j'ai des clients qui paient des fortunes pour ça. Donc, tu me la joues comme ça, hein. Ouais, c'est comme ça. Attends. Tiens. Waouh! Alors là, je me sens beaucoup mieux. Oh, je paie toujours, tu sais bien. C'est ton père qui paie toujours, ouais. Arrête, c'est un cuir à plus de 1000 boules. C'est bien ce que je disais. Tu m'as mis de la graisse. Même au meilleur pilote de Californie, elle fait pas de cadeaux. Sa philosophie, c'est que c'est pas la peine d'essayer si t'as pas de blé. C'est très poétique. En même temps, c'est la vérité, donc... Alors, t'es prêt pour nos rendez-vous? Allez, suis-moi. On a pas mal de monde à te présenter, mon pote. Les autres nous attendent, alors on s'y met. Survécu à deux courses contre Spike, alors Salut. Je t'ai sous-estimé, on dirait. Survécu? Tu rigoles, c'est Spike qui avait du mal à suivre. Ah. Oh, excuse-moi, il avait pas du mal à suivre, il était complètement largué. Ça te fait plaisir. Ah. Emmanuel, viens voir par là. Mais qui a osé? Salut les filles. Bah alors, et moi, mec? Allez. Ah, le problème, c'est que ça m'embêterait de briser ta petite carcasse de moineau. Allez, viens là, mon grand, viens faire un câlin. Te fie pas aux apparences, mec. Il est super vif derrière un volant. Moi, c'est Emmanuel. Mais ça fait encore trop de syllabes pour ces andouilles. Appelle-moi Manu. Oh, belle poigne. Eh, hey, lui, c'est Fred, le marteau norvégien. Salut, mec, Frédéric. Bon, on va arsouiller en ville ou on reste ici, à chambrer Spike? Moi, je dis les deux. Excellent, on va manger un bout. J'ai pas assez mangé ce soir, perso, j'ai trop la dalle. Sérieux, à quoi ça rime? Tu manges trop et Manu, rien. Ouais, Robin, à ce rythme-là, tu vas nous flinguer tes amortisseurs. Très bien, grand malin. Le dernier arrivé fait l'addition. Non, non, le dernier arrivé invite tout le monde. Hé hey. Ouais, Spike. Je vais m'envoyer le plus énorme des burgers. Mauvaise idée, les nazes.
les gars, vous prenez rien à plus de 5 dollars, hein? C'est un resto. 5 dollars, c'est le minimum. Et pas de dessert, mec. Je suis pressé de faire une course ce soir. J'aurai l'adresse d'une seconde à l'autre. Oh, pour moi, je pense que ça va se finir en boîte. T'as qu'à venir? Tu rigoles? La soirée fait que commencer, les gars. Et pour moi, c'est course. Moi, je vais rentrer à l'atelier. Tu veux venir voir? Je te ferai un petit peu de place, si tu veux. Oh, elle va s'occuper de toi, vieux. T'es jaloux, Spikey? Ouais, c'est ça, comme je suis jaloux des gens qui roulent à 90. Je vous avais vu Travis ce soir? Ouais, il devait voir quelqu'un. Ah, tu peux pas test. Magnus Walker est de passage. Je l'ai vu discuter avec Travis en boîte. Oh, c'est pour ça que Spike est pressé. Il a un rendez-vous. Avec le destin, mon vieux. Ce soir, ça va chauffer. Hé, hey, tu nous feras voir ce que t'as dans le ventre, ok? Ouais, mec. Faisait un sale bruit tout à l'heure. À moins que ce soit celle de Spike. Ouais, c'était peut-être celle de Spike. Bon, je suis à l'atelier. Viens réparer ta caisse si tu veux. À plus. T'entends, tu sais? Ouais, touche à ma playlist et je te tue! Ah! Hey! Travis m'a dit que tu bricolais un peu, toi aussi. C'est cool, ça. Ok. Première règle, prends les outils que tu veux, sérieux. Tant que tu les remets minutieusement à leur place. Pour le reste, l'atelier est tout à toi. Oh, ça c'est mon dernier caprice. Écoute. T'entends ce ronronnement? Celle-là, ce sera mon plus beau projet. Je le sens bien. Je voudrais que Nakai-san la voie avant qu'il quitte la ville. Si
S'il aime ce que je fais, ça peut me faire un max de pub, tu sais. Ok, bon, ben, tu sais tout. Je vais y aller. Je dois voir Spike. Ah, Travis a bougé des caisses pour te faire un peu de place, alors installe-toi, parce que je peux t'assurer que demain, il y en aura partout. Tu devrais réfléchir à ce que tu vas faire, tu vois. Planifier ton projet. Oriente ta vision. Oula, on aurait dit Travis. Ok, j'y vais, je me casse. Éclate-toi. Et peut-être à tout à l'heure, hein? Oh, et... remets les outils à leur place. Cool. À toutes, mec.
ça roule. Je fais un petit tour dans Royal Park. Mais il a rien de royal, ce parc. Mais si tu veux voir un champion, c'est l'occasion. Bon, allez, on s'en fait une avant que les flics rappliquent. Peace. Yeah, we don't want nobody telling us what to do. We don't want nobody pushing us around. But tell me, just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. We want to be free to ride. We want to be free to ride our machines without being hassled by the man. Time. That's what we're gonna do. We're gonna have a good time. We're gonna have a party. Yeah!